toujours l'enfer. Amen. Vous êtes ici dans l'enfer. Je suis d'accord avec moi. Amen. Alléluia. Je vais commencer le message. Et avant cela, je voudrais vous présenter une sœur avec qui je suis venu, la sœur Annick. Ben, Max, est-ce qu'elle peut se lever? Nous étions ensemble lors de mon école prophétique que je tiens à Châtellerault la semaine dernière, pendant qu'il y avait ici la dédicace. Voilà pourquoi vous ne m'aviez pas vu. Hein. J'ai emmené un témoin pour prouver que j'étais pas à Lyon. Voilà. Nous étions ensemble à Châtellerault parce que je tenais une école prophétique pendant 3 jours. Et je leur avais dit voilà, qu'il y avait une action qui se passait ici et que, bon, comme je ne pouvais pas être là, je viendrai le dimanche après. En l'occurrence, là, voilà. Amen. Amen. Voilà, j'aurais été à Lyon, j'aurais été là ce jour-là, parce que je ne vois pas être ailleurs pendant qu'il y avait une action ici. Bien, comme ça vous avez la preuve que je n'étais pas à Lyon. Amen. 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 Voilà. Autre chose, donc je vous ai rapporté un DVD d'un des messages. J'ai eu à cœur de vous le présenter aujourd'hui. Le thème, c'est « À l'école du Christ ». Je crois qu'il y a des gens qui en ont besoin ici. Voilà, j'en ai pas apporté beaucoup, vous verrez la sœur Annick à la fin. J'en ai apporté 12, bon, je vais vous les faire à 5 euros. Voilà. Amen. Amen. Si quelqu'un est intéressé, pour avoir la sœur Annick à la fin. C'est un message que j'ai donné lors d'une convention à Paris, pour ceux qui étaient appelés au ministère, qui voulaient servir Dieu, et qui avaient besoin de monter d'un cran, voilà, vous pouvez l'avoir à la fin. Amen. Amen. Bien. Venons-en à la parole d'aujourd'hui. Nous allons lire dans Actes, Actes 4, verset 12, il est écrit qu'il n'y a de salut en aucun autre. Car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui ait été donné parmi les hommes par lequel nous devions être sauvés. Alléluia. Amen. Il n'y a de salut en aucun autre, en parenthèse, non, en aucun autre nom, en aucune autre personne. Car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui ait été donné parmi les hommes par lequel nous devions être sauvés. Ayant dit ça, je pense que tout le monde est d'accord avec ce verset. Alléluia. Tout à l'heure, on vient de chanter. En fait, mon message, je n'ai pas prévu de commencer mon message comme ça. Je commence mon message comme ça parce qu'en entrant ici, je suis entré avec ça. Donc voilà, je commence par là. Toutes les églises dites chrétiennes, nous chantons tous le nom de Jésus. Partout où il y a les chrétiens, c'est ce nom qui est élevé au-dessus de tout le monde. C'est ce nom que nous proclamons, c'est ce nom dans lequel nous croyons, matin, midi, soir. Mais maintenant, il y a un petit hic. C'est que ce que nous lisons dans la Bible, du moins la lettre, ce que la Bible nous rapporte concernant ce nom, ce témoignage que la Bible nous donne et qui a fait que nous sommes tous devenus chrétiens, quelquefois dans la réalité, on a l'impression qu'il y a un couac. Quelqu'un comprend ce que je chante? Nous venons de lire qu'il n'y a de salut en aucun autre nom. C'est le nom de Yeshua qui nous a été donné, c'est le nom qui est élevé au-dessus de tous les noms, etc. Ça, nous le savons. C'est ce nom dans lequel on nous dit les démons sont chassés, les malades sont guéris, etc. Nous connaissons tout ce que la Bible nous dit concernant ce nom. Mais le problème, c'est que dans la réalité, dans notre quotidien, quelquefois, on arrive à se poser la question, est-ce qu'il y a un problème? Est-ce que ce que je dis... Quelquefois, on se pose la question, est-ce que ça, ce ne sont que des histoires,
des contes à dormir debout pour certains, ou à mieux bercer les bébés pour qu'ils s'endorment, ou c'est qu'il y a un truc qu'on n'a pas saisi. On ne va pas remettre en question ce verset, il est écrit. Pilate a dit quelque part, ce que j'ai écrit, je l'ai écrit. Les écrits sont faits pour être figés. Les écrits sont faits pour subsister pour toujours. On ne change pas l'écrit. Maintenant, la question est de savoir, entre ce que je lis et ce que je comprends, est-ce que je comprends ce que celui qui a écrit voulait me transmettre? Là est le problème de l'interprétation, là est le problème de l'œil qui lit, là est le problème de la lecture. Pourquoi est-ce que je dis ça? Parce que ici, la femme qui se tient là est prophétesse. Et si vous avez bien entendu, on va appeler comment? Voilà. Donc, prophète, un prophète c'est qui? Un prophète c'est pas seulement quelqu'un qui arrive pour vous raconter votre vie. Ça, ça peut être un devin. Et aujourd'hui, pour faire la mode, ça peut être Paul le poulpe. Hein, qui dit qui va gagner au mondial. Ça peut aussi faire un prophète. Et comment comprends-tu? Un prophète, c'est quelqu'un qui vient avec une parole révélée. Avec une parole, il a un langage. Regardez la Samaritaine. La Samaritaine lui dit, va chercher ton mari. Il dit, je n'ai pas de mari. Il dit, tu as raison de dire que tu n'as pas de mari. Parce que tu en as eu cinq. Et celui-là qui tu es n'est pas ton mari. La femme qui dit, ah, je vois que tu es prophète. Nous, on s'est arrêté et on a dit, voilà, un prophète va dire aux gens ce que sa vie passée était. Non, 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 non. C'est qu'on n'a pas compris. Le prophète, la femme a reconnu le prophète parce qu'ici se cache un mystère. Les cinq maris de la Samaritaine, ce sont les cinq dieux des villes d'où venaient les Samaritains. Quelqu'un comprend-il? Amen. Donc, parce que les Samaritains ont été formés à une époque où on a chassé des gens du pays, et le roi qui avait fait ça, le roi des Assyriens, a pris dans cinq villes païennes des gens et qu'il est venu faire habiter là. Et ce sont eux qu'on a appelés Samaritains. Ils venaient de cinq villes où il y avait cinq dieux. Et ces gens sont venus et ils ont commencé à adorer leur Dieu sur la terre d'Israël. Ça a posé des problèmes. Des lions commençaient à les dévorer. Alors qu'est-ce qu'on a fait? On est allé chercher un prêtre pour venir leur enseigner les lois de Moïse, qui est le sixième. Or Jésus dit, celui avec qui tu es maintenant n'est pas ton ami. Moïse n'est pas le mari du peuple. Est-ce que je parle à quelqu'un ici? Et qu'est-ce qui se passe? Il dit, maintenant, lui, c'est qui? Lui, c'est le septième. L'homme complet, le mari complet, là où il y a la plénitude, là où tout est complet. Et qu'est-ce qu'on comprend-il? Et quand il parle, cette femme sait qu'il utilise un langage prophétique. C'est le code des prophètes. Les prophètes ont des secrets, ont des codes. Ils savent interpréter la parole. Ils ne s'arrêtent pas à ce que nous lisons, mais ils savent que derrière, il y a autre chose. Amen. On peut lire un texte, ils ne s'arrêtent pas à la lettre, parce que le prophète sait que la lettre tue, mais c'est l'esprit qui donne la vie. L'esprit, c'est quoi? L'esprit, c'est la révélation de la parole. C'est en cela que cette femme dit, toi tu es prophète. Et automatiquement l'histoire bascule, ça devient une histoire. Non, vous vous dites que vous venez prier ici, nous on dit qu'il faut aller prier là-bas. Comment est-ce qu'une histoire, soi-disant de mari, etc., débouche sur une histoire d'aller prier? C'est qu'il y a autre chose. Alléluia. Amen. Donc ici, c'est un souffle prophétique. Yes. Le problème de l'église, c'est que l'église veut écouter les prophètes. On aime écouter les devins. Ceux qui ont voulu me raconter ta vie. Tu vois pas sur moi. Et pourquoi veux-tu que je raconte ce que je vois sur toi? Comme toi-même, tu sais ce que tu as fait. Amen. J'ai pas besoin de te raconter ce que tu as fait. Toi-même, tu sais ce que tu as fait. Tu as besoin que je vienne te dire le secret de Dieu que tu ne connais pas. Parce que la Bible dit que Dieu ne fait rien à moins d'avoir révélé son secret à ses serviteurs, les prophètes. C'est qu'il est question du secret de Dieu, pas de ton secret à toi. Maintenant, si tu entends ce qu'un qui te révèle ta vie, tant mieux pour toi, il est tant mieux pour lui, parce que toi, en fait, tu es déjà au courant. Un gars comme ça qui te révèle ta vie, tu tombes dans ses mains. Tu tombes dans ses mains, il va faire de toi ce qu'il veut. Mais tu as besoin de celui qui va te révéler le secret de Dieu. Parce que quand tu connais le secret de Dieu, alors là, tu entres dans ta destinée. Alors là, le voile qui est sur ton visage tombe, le voile se déchire, et maintenant, Dieu n'est plus pour toi compliqué, Dieu n'est plus pour toi qui te fait peur, parce que maintenant, tu sais, parce que maintenant, le voile est déchiré, parce que maintenant,
dire les choses. Ça, c'est le don. Mais le ministère vient avec ça. Amen. Révèle-moi la parole. C'est ça qui va me faire grandir. Révèle-moi le message. C'est ça dont j'ai besoin. Révèle-moi le mystère de Dieu. C'est ça qui va me rendre libre. Il dit, si vous gardez ma parole, alors vous êtes des disciples et vous connaîtrez la vérité. Et la vérité vous rendra libre. Elle vous affranchira. C'est quand tu connais la vérité. Mais pour la connaître, tu dois garder la parole. Alléluia. Amen. Quelqu'un est avec moi. Amen. Donc nous en revenons à quoi? Yeshua. Jésus, nom au-dessus de tout nom. C'est écrit, tous on l'a lu. Avant nous, il y a des gens qui en ont lu. Les années d'avant encore, quand on a écrit la Bible, les gens lisent le même verset. Des gens prient depuis des années, ils prononcent ces versets depuis des années, mais rien ne change dans leur vie. Est-ce que c'est normal? Non, pas normal. On dit Jésus, 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 on chante ça à toutes les sauces, on tourne ça comme on peut, on fait comme on peut. Mais pourquoi est-ce que ça ne marche pas? Si nous-mêmes on ne trouve pas la réponse, ce sont les païens qui vont la trouver à notre place. Et s'ils veulent la trouver à notre place, ils ne viennent pas prier. Alléluia. Alléluia. C'est la chaleur? Ça va? Bien. Donc, maintenant on va essayer de comprendre quelque chose. À la manière des prophètes. On va faire un petit voyage prophétique. Amen. C'est même bien que la dernière fois, je n'étais pas là avec les pasteurs, tu vois, avec les pasteurs, tout ça. Donc voilà. Maintenant, on est là entre nous, prophètes. Donc, amen. On va parler un peu dans le langage des prophètes. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Mais comprenez ceci. Quand tu lis dans la Bible, en l'occurrence les Écritures, qu'est-ce que disent les prophètes? Ou bien que dit Yeshua? Il dit, quand il marche avec les disciples sur le chemin d'Emmaüs, il va dire, vous aussi êtes-vous sans intelligence? Ne comprenez-vous pas ce qu'ont dit les prophètes? Ne comprenez-vous pas que devait s'accomplir ce qu'ont annoncé les prophètes? Ok, ah bon? Parce que les prophètes annonçaient quelque chose. Mais quand toi tu lis ta Bible, tu ne vois pas que les prophètes annoncent un truc. Vous, ce que vous voyez, c'est qu'il y aura des guerres, la terre va tomber par-ci, il y aura ça par là-bas, et il y aura ceci ici. Quand tu lis tout ça, tu dis, oulala, oulala, la Bible là n'est pas intéressante. Il dit, maintenant il va leur dire, il leur ouvrit l'intelligence pour qu'ils comprennent ce que disent les Écritures. Il dit, commençons dans Moïse. Moïse, c'est les cinq livres de la loi, les cinq livres de la Torah. Donc, commençons dans Moïse, c'est-à-dire Genèse, Exode, Lévitique, Nombre, Deutéronome. Poursuivons par les prophètes. Les prophètes, c'est huit livres. Donc, dans lesquels tu as Josué, dans lesquels tu as Juge, dans lesquels tu as 1 Samuel, 2 Samuel, 1 roi, 2 rois, dans lesquels tu as le rouleau de Jérémie, d'Ézéchiel, d'Ésaïe, et puis les huit, les autres petits prophètes qu'on appelle, qu'il y en a 12 dans un seul rouleau, ça fait 8. Donc tous ces textes-là, tu dis, et puis les psaumes. Les psaumes encore, c'est autre chose. Ça fait partie d'une série de livres qu'on appelle les Ketuvim chez les Juifs. Donc, c'est le plus gros, la plus grosse partie. Donc, c'est-à-dire, dans toutes les Écritures, il dit, ça parle de moi. Mmh. Ah. Amen. Amen. Ils ont parlé de moi. Toute l'Écriture pointe vers une personne. Oh. Oulala. Mais moi, quand je lis la Bible, je ne crois pas ça. Amen. Quand on lit normalement, nous, on va prendre les versets là pour nous. On les transforme pour nous. On les prend pour nous. Et moi, quelqu'un m'appelle l'autre jour. Il me dit, voilà, j'ai une révélation. Je dis, quoi? Oh, Dieu m'a parlé. Ah bon? Dieu t'a dit quoi? Non, j'étais là et puis j'ai ouvert ma Bible. Oui, continue. J'ai ouvert ma Bible, je suis tombé dans Jérémie où Dieu dit, voici viennent des jours de colère. Je vais tous vous frapper. Il dit, voilà, Dieu lui a dit que la colère arrive à le frapper. Puis lui dit, bon, quand il m'appelait par rapport à un problème avec sa femme, donc il dit qu'il avait prié Dieu par rapport à sa femme, et puis voilà ce que Dieu lui a dit. Donc dans ce verset-là, Dieu donc dit qu'il va frapper sa femme parce que sa femme ne peut pas aller dans la même église que lui. Je dis, ah bon, donc. C'est-à-dire, quand les gens écrivaient la Bible, ils pensaient à toi et à ta femme qui ne va pas aller dans telle église ou quoi. Je dis, mais c'est n'importe quoi. Amen. Amen. C'est n'importe quoi. Donc, une deuxième personne, elle m'appelle. Je sais pas, j'étais là, je pense à elle, je veux l'appeler, je l'appelle, elle pleure, pourquoi tu pleures? Non, je viens de prier, tout s'est fait, mon prophète, moi je
rompu votre Dieu, là, il est compliqué, qu'est-ce qu'il a fait? Non, je venais de prier, et puis il a dit, Dieu parle-moi, j'ai ouvert ma Bible, je suis tombé dans, il dit, voici les malédictions qui vont tomber sur toi, et tu es Dieu, mais il dit, mais qu'est-ce que j'ai encore fait? J'ai pourtant demandé pardon, je ne sais pas combien de fois, je l'ai dit, pour pasteur voulait, et maintenant il me dit, dis-moi, comment est-ce que tu sais que Dieu t'a parlé? Mais non, on nous a dit que quand il a te parlé, il faut ouvrir la Bible. Et puis tu ouvres les yeux. Ah, voilà, amen. Dieu m'a parlé, tu tombes sur le verset. N'importe quoi. Oh, c'est pas comme ça que Dieu parle. Amen. Ça, c'est l'écriture. Quand vous jouez à ce jeu-là, et Judas alla se pendre. Il dit non. Il dit, c'est nous, on allait répondre pour Judas. Seigneur, confirme-moi ta parole. Et toi, fais de même. Ah non. Ah non, moi je ne veux pas les faire de même. Ah non. C'est là que donc, Dieu parle comment. Donc il y a trop de confusion dans la tête des gens. Les gens viennent à l'église, les gens viennent prier, mais ils ne savent, en fait, ils ne savent pas. Mais ils disent, au lieu de reconnaître que je ne sais pas, apprenez-moi, mais ils veulent imposer leur mentalité. Oh. Une mentalité du monde qu'on veut imposer à l'église. Il y a un problème. Vous n'allez pas imposer à votre médecin le produit que vous voulez qu'il vous, qu'il vous donne. Ah. C'est le médecin qui a fait des études, qui est établi là pour faire son job. Soit tu crois dans le médecin et tu écoutes ce qu'il te dit, soit tu ne crois pas en lui et tu vas voir ailleurs. Amen. Alléluia. Amen. Donc la même Bible. Le jour où j'ai compris, c'est le jour où je vous parlais peut-être aujourd'hui, c'était quoi? C'est que j'ai réalisé que la Bible, il y a tellement de Bibles qui circulent aujourd'hui. Ce sont des armes à destruction massive qui circulent. Avec des dommages collatéraux. Ça circule comme ça, des armes. Ça, c'est pire que les grenades. C'est les grenades qu'on pose et puis les gens explosent dessus. C'est pire que la bombe nucléaire, la bombe atomique que les Iraniens veulent faire. C'est pire la Bible. Si tu ne sais pas la lire. Tu ne sais pas lire la Bible. Tu ne sais pas comprendre ce qui est dedans, mais tu vas souffrir. Tu vas faire souffrir ceux qui sont autour de toi. Amen. Tu vas faire. Les gens vont croire des choses, mais qui n'ont rien à voir. Tu vas espérer des choses qui n'ont rien à voir. Tu vas attendre des choses qui n'arriveront jamais. Pourquoi? Parce que tu t'as pris sur les mauvaises choses. Tu lis mal. Et on mène une vie chrétienne complètement morose, complètement down, complètement sombre, complètement. On est là. Sans force, sans pourquoi? Parce qu'on ne comprend pas le livre, on dit quoi? Yeshua dit toute la loi, tout le Tanakh, tout ce qu'on appelle l'Ancien Testament, les saintes écritures ne parlent que de moi. Elles pointent vers moi. Tout commence dans Genèse 1, 26, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance. Mais si que l'image et la ressemblance, là, c'est quoi? C'est votre fils. L'homme, image, à mon image et selon ma ressemblance, c'est le Fils. Voilà pourquoi on dit dans Matthieu, dans Luc, que Dieu a fait, quand on fait la généalogie, on arrive au bout, on dit Adam, fils de Dieu. Donc, dès Genèse, on parle du Fils. On pointe sur le Fils. Le Fils, on montre le Fils. Dès Genèse, il y a plein d'autres versets. En réalité, quand Yeshua fait les choses, quand Yeshua marche, quand Yeshua agit, tous ceux qu'on lit, même lui-même Yeshua, quand il parle, on dit qu'il leur parlait en parabole. Il leur parlait toujours en parabole. Donc, quand Jésus ouvrait sa bouche, c'était une parabole. Mais tu ne peux pas prendre la parabole comme ça. Maintenant, nous, on se limite à oui, non, mais dans Matthieu 13, c'est là, ça ne parle pas de parabole. Non, on dit, si, sans parabole, il ne leur a pas parlé. Il leur a toujours parlé en parabole. Jusque le dernier jour, c'est le dernier soir, où ils disent, maintenant tu nous parles ouvertement. Tout le temps, ils parlaient en parabole. Tout ce qu'ils faisaient, c'était une parabole. Quand ils guérissaient un malade, c'était une parabole. Ils voulaient expliquer quelque chose. Quand ils faisaient, c'était une parabole. C'était quelque chose qui était lié à l'écriture, lié à l'accomplissement de la loi. Tout ce qu'ils faisaient, c'était pour que la parole, l'écriture s'accomplisse. Maintenant, accomplir l'écriture, c'est quoi? C'est la remplir. Accomplir l'écriture, c'est quoi? C'est l'expliquer. Donner la bonne interprétation. Donner la bonne explication de la parole. Pour que les gens comprennent.
Maintenant, on se retrouve ici avec le nom qui nous a été donné. Tout ce qu'on lit dans l'Ancien Testament se retrouve dans le Nouveau. Parce que le Nouveau, c'est quoi? C'est pour expliquer l'Ancien. Si tu ne vois pas, à mon équipe, quand je leur ai enseigné ça pendant le week-end d'enseignement, je leur ai dit, c'est comme une bouteille avec son bouchon. Si tu n'as pas le bouchon, tu ne peux pas. Tu lis un livre, tu ne comprends pas. Et puis on se dit, mais pourquoi Dieu n'agit pas? Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Maintenant, on se retrouve avec Pierre, en face des sacrificateurs. On dit qu'on leur avait mis la main dessus. On les a mis en prison, puis on les a convoqués. Ils arrivent devant les sacrificateurs, les souverains sacrificateurs, les chefs d'Israël. Et c'est là qu'il va dire, Jésus est la pierre jetée par vous qui bâtissez. Il y a le salut en aucun autre. Ok? On dit Pierre rempli du Saint-Esprit, c'est Pierre qui a parlé. Maintenant, nous, on peut lire ce texte et puis on fait toute une histoire. On peut lire la Bible de plusieurs manières. Le problème, c'est qu'il me faut la lecture qui va me sauver. Il me faut la lecture qui va me bénir. Il me faut la lecture qui va provoquer un bouleversement, un changement en moi. C'est pas seulement. Tu peux lire la Bible de manière psychologique, faire de la psychologie avec la Bible, tu peux même faire de la politique avec la Bible. Tu peux lire la Bible de plusieurs manières que tu voudras. Mais le problème, c'est que tu as besoin de la lecture qui te donnera la vie. Or, cette scène que je viens de vous décrire, Pierre devant les chefs, Pierre rempli du Saint-Esprit, Pierre sur qui on avait mis la main dessus. Et là, on parle de quoi? Il est question de la révélation d'un nom, le nom de Yeshua. Amen. C'est simplement l'Ancien Testament qui a été écrit à cet endroit. Vous savez c'est quel endroit? C'est lorsque Moïse dit à Dieu, Dieu des esprits de toute chair, trouve un homme qui pourra faire entrer le peuple, qui pourra marcher devant lui et le faire entrer, le faire sortir, le faire entrer. Trouve un homme. Puisque Dieu dit à Moïse, tu n'entreras pas en terre promise. Tu ne vas pas arriver là-bas. Ton voyage va s'arrêter au désert. Le voyage de Moïse avec Dieu a commencé au désert. C'est au désert avec le buisson ardent que Dieu se révèle à Moïse. On est d'accord, non? Amen. Mais Moïse va s'arrêter dans le désert. Moïse, c'est l'homme du désert. Il commence avec Dieu dans le désert et achève dans le désert. Dieu dit, tu ne vas pas entrer de l'autre côté. Tu vas t'arrêter ici. C'est pas toi qui vas emmener le peuple de l'autre côté. C'est pas toi qui vas introduire le peuple dans le pays de la promesse. Ce n'est pas toi. Moïse dit, prouve quelqu'un. Choisis un homme. Il dit, tu mettras ta main sur Josué, fils de Nun. Homme en qui réside l'esprit. Tu prendras celui-là. Car c'est lui qui fera entrer le peuple. Or, Josué, c'est Yeshua. Amen. C'est comme si on disait, tu prendras Jésus. C'est Jésus qui introduira le peuple. C'est Yeshua qui introduira le peuple. Ce n'est pas toi, Moshé. Moshé, c'est quoi? Moshé, c'est l'écriture. Moshé, c'est la loi. Moshé, c'est l'écriture. La lettre qui tue, c'est Moshé. Moïse. Mais ce n'est pas toi, la lettre qui tue, qui va introduire le peuple dans la promesse. Ce n'est pas toi. Un seul homme, Yeshua. Un seul homme, Josué, c'est lui qui fera entrer le peuple. Et qu'est-ce qu'on dit? On dit, plus dans Deutéronome 34, si je ne me trompe pas, on dit, Josué était rempli de l'esprit de sagesse. Parce que Moïse avait posé ses mains sur lui. Or, en hébreu, dans la science des Écritures, l'expression rempli de l'esprit de sagesse a une valeur numérique, c'est-à-dire des lettres, égale au mot Machia. C'est comme si on disait Josué, Jésus était Christ. Parce que Moïse avait posé sa main sur lui. Et cette histoire de Pierre devant les sacrificateurs, c'est quoi? Pierre, sur qui les sacrificateurs avaient mis la main. Pierre, c'est Képhra. Képhra, c'est le rocher. Or, le rocher, c'est une image de Christ encore. On dit Pierre rempli du Saint-Esprit. Rempli de l'esprit de sagesse, Christ. Oh. Amen. On est chez les prophètes là. Amen.
Parce qu'on avait mis la main sur lui. Et qu'est-ce qui se passe? Il dit un seul nom. Jésus. Un seul nom. Josué. Yéhoshua. Yeshua. Un seul nom. Pourquoi? Pour sauver le peuple. Quand les gens dans le désert avaient des problèmes, ils criaient à Moïse. Moïse, Moïse, tu nous as sortis d'Égypte, tu nous emmènes pour mourir ici. Désormais, ce n'est plus Moïse. Un seul nom pour le salut. Yeshua. Un seul nom pour faire passer les gens de la mort à la vie. Un seul nom. Un seul nom pour faire traverser les personnes, les sortir du désert et les emmener dans le pays de la promesse. Un seul nom. La Bible dit qu'il nous a transférés dans le royaume du Fils de son amour. Le pays de la promesse, là, c'est nous ici, on est ici. Est-ce que on va tous dire oui, le pays de la promesse, c'est en Israël, on va tous aller en Israël. Le problème, c'est que si c'est en Israël, on est tous dans l'arrêt. Parce que nous, pour l'instant, on vit à Lyon. Pour certains, le pays de la promesse, c'était l'Europe quand ils étaient en Afrique. Parce qu'ils avaient lu la Bible, Dieu va t'emmener dans le pays de la promesse. Quand il est arrivé à Roissy, c'est bien, c'est prospère. Oh, alléluia. Je suis arrivé au pays de la promesse. Je suis arrivé. Le pays de la promesse, ici, là, où tu galères matin, midi, soir, où tu souffres tous les jours. C'est ça le pays de la promesse. Ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir du tout. Ça n'a rien à voir. Tout ce que nous lisons dans la Bible, ça nous pointe quelque chose. Ça nous montre quelque chose. Le pays de la promesse, cet endroit où on doit arriver, ce n'est qu'une époque. C'est l'époque du Messie. C'est le temps du Messie. C'est entrer dans le temps messianique. On va quitter le temps de la loi. On va quitter le temps de la lettre qui tue. Et on va entrer dans le temps messianique. On va entrer en Christ. Et c'est en Christ que nous allons voir les choses se faire. C'est en Christ que nous allons voir la grâce de Dieu. C'est en Christ que nous allons voir les choses s'accomplir. Il nous a transmis dans le royaume du Fils de son amour. C'est un état donné. C'est une dimension donnée qui n'a rien à voir avec un endroit quelconque de la terre. C'est un état d'être. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Donc, et toute la Bible en bas. Toute la Bible en bas. Mais nous, on parle du nom de Jésus. On parle de Yeshua. Mais le problème, c'est quoi? C'est qu'on ne comprend pas. Il est censé faire quoi? On ne comprend pas de quoi il s'agit. Si tu ne remets pas ça dans la conception de Josué, si tu ne comprends pas, parce que Jésus ne vient qu'accomplir l'ancien, il vient qu'accomplir les Écritures, tu dois remettre dans le contexte de l'Écriture, comprendre pourquoi est-ce qu'on dit un seul nom pour le salut. Tu dois le remettre dans son contexte. C'est parce qu'il n'y a plus qu'une seule personne pour introduire le peuple dans la promesse. C'est une seule personne qui va les faire entrer. Il n'y a pas quelqu'un d'autre. C'est le nom Josué qui devait le faire entrer. Ce n'est que Yeshua qui fait entrer les gens. Il n'y a personne d'autre. Ce n'est pas Moïse. Moïse ne peut rien pour toi. Ils étaient sur la montagne. Moïse ici et Élie là. Mais une voix sort et dit, celui-ci est mon fils. Écoutez-le. On n'a pas dit écoutez-le. On a dit écoutez-le. Parce que c'est lui qui donne la bonne parole. C'est lui. Il a des choses à vous dire. Écoutez-le. Il a une instruction à vous donner. Écoutez-le. Or, Moïse avait dit que mes paroles tombent sur la terre comme la pluie, que mes instructions se répandent comme la rosée. Moïse voulait que les gens l'écoutent. Mais ici, on ne dit pas d'écouter Moïse. On dit d'écouter Yeshua. Tu veux entrer dans le pays de la promesse? Écoute Yeshua. Tu veux entrer dans le pays de la promesse? Écoute le Fils. Quand tu écoutes le Fils, là tu vas entrer. Mais si tu t'arrêtes avec Moïse, tu vas t'arrêter dans le désert. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il y a des gens qui sont spécialistes. Moi aussi, je lis la Bible. Mm-hmm. Il faut le lire. Il faut le lire. Nous tous, on lit la Bible. Nous tous, on lit. C'est pas la même chose entre lire et comprendre le message. Amen. C'est pas la même chose. Lui, il y a beaucoup de dégâts. Même dans nos pays en Afrique, les gens se sont dit que voilà, prêcher, ah, c'est un honneur. Hein. Les gens te voient, on t'applaudit et tout et tout. Les gens font leur offrande, donc tu as des sous. Donc, bien sûr, le gars change, il ne veut plus être médecin, il ne veut plus être je ne sais pas quoi. Lui décide, je serai pasteur. Mm-hmm. Pourquoi? Comme il sait lire la Bible, donc lui aussi devient pasteur. Oh. Je dirais plutôt passe-temps. Pour faire passer le temps. C'est un passe-temps. Donc, si vous avez besoin de passe-temps, libre à vous. Mais,
C'est dans la maison prophétique que la lumière brille. Et dans la maison prophétique que l'on va en profondeur. Que, pour comprendre, mais de quoi s'agit-il au juste? De quoi s'agit-il? Écoutez, ça va, vous allez encore? C'est bon? Amen. Ça va. Regardez, il dit, on parle de moi. On est d'accord? Amen. Je vais prendre un texte. Un texte banal, en apparence. Hein? Qui, on peut se dire, mais oui, mais ici, on ne parle pas de lui, là. On ne parle pas de lui. Pourtant, c'est quelque chose de primordial. Si vous ne comprenez pas ça, vous passez à côté. Genèse 8, verset 2, dit ceci. C'est Noé, Dieu parle, il répond à Noé. Tant que la terre subsistera, les semailles et la moisson, le froid et la chaleur, l'été et l'hiver, le jour et la nuit ne cesseront pas. Qui dit ça? Dieu, non? On dit tant que la terre subsistera. Voici les choses, voici le cycle de vie, qui eux seront toujours là. Wow! Or, Yeshua a dit que les Écritures parlent de qui? De lui. Donc, ici aussi, on parle de lui. Ici aussi, on pointe vers lui. Nous avons lu la loi. Moïse, Genèse 1, c'est un fils. Moïse lui-même dit qu'un autre prophète viendra pour moi, écoutez-le. Mais les prophètes prophétisent quoi? L'année prochaine, tu auras un fils. Donc on pointe vers un fils. On montre toujours un fils. On dirige vers un fils. Maintenant ici. Mais oui, on dit la moisson, les semailles et la moisson. Ok. On a tous lu les semailles et la moisson. Ok, on a bien lu. Alléluia. Et puis on sème à l'église. On donne à l'église. Et on attend la moisson et la moisson se fait attendre, se fait désirer. La moisson va faire un tour, je ne sais pas où, et ne reviendrai jamais. Mais pourquoi est-ce que ça ne marche pas? Si tu ne lis pas, tu n'atteins pas la profondeur de ce message, l'apparence même t'échappe. Les choses apparentes sont là pour nous révéler quelque chose. Les choses apparentes sont là pour rendre témoignage, pour prouver une réalité cachée. Mais dans cette réalité cachée-là, c'est quoi? La Bible dit, ceux qui marchent, je vais dire, hein, ceux qui sèment avec larmes, moissonneront avec cri de triomphe. Celui qui s'en va en pleurant quand il porte la semence, à répondre, s'envoyer avec des cris de triomphe quand il porte ses germes. Donc, il y a un temps de souffrance, c'est le temps de semailles. Et il y a un temps de joie, c'est le temps de la moisson. On est d'accord? Amen. Est-ce qu'on est bien d'accord? Amen. On nous parle de l'été et de l'hiver. Ce n'est que, puisque à l'époque où on commence les semailles, où on sème en Israël à cette époque-là, c'est l'époque où ça commence à devenir frais, au temps de la fraîcheur, où on va vers l'hiver. C'est là qu'on commence à semer. Et puis l'été, c'est le temps de la moisson. Donc Dieu dit, il y aura toujours ce cycle-là. Semaille, moisson, été, hiver, jour, nuit. Oh. Ça, c'est le cycle. Ça continue, c'est vraiment comme ça. On dit tant que la terre subsistera. Bon, maintenant si on pense à charnellement, on est à côté. La terre là, c'est quoi? Puisque c'est relié à la terre, mais la terre, c'est quoi? Ok, toujours avec moi. On est chez qui? Alléluia. Écoutez, la Bible dit, d'où vient la terre? La Bible nous dit qu'il y avait les eaux. Le troisième jour, Dieu a dit quoi? Que les eaux se mettent à part et que le sec paraisse. Et il va appeler le sec terre. Eret. Donc le Eret sort de l'eau. On est d'accord? Amen. On est toujours d'accord? Amen. On pose l'équation, le Eret sort de? Bien. Mais non, l'eau, c'est quoi? La Bible nous dit des fleurs.
Parlons de l'esprit. On est d'accord. Et on pousse encore. Il dit les paroles de la bouche d'un homme sont comme des eaux profondes. On est toujours d'accord. Donc quand on parle des eaux, c'est différents niveaux. Là, je donne une explication à certains niveaux. L'eau, c'est la parole. Qui sort de la bouche du Seigneur. Or, la Bible nous dit comme on comprend que le sec sort de l'eau. La terre sort de l'eau. On est toujours d'accord? Or, la Bible nous dit la foi et ce qu'on entend de Christ. Christ parle et la foi sort. Or, en hébreu, la foi et Mouna et la terre Eretz ont la même valeur numérique de rang, qui fait que 39, qui fait que c'est interchangeable. Quand on parle de terre, c'est aussi la foi. Tant que le principe de la foi va subsister, tant que le principe de la foi va subsister dans la parole, voici le cycle qui perdureront. La foi vient de la parole de Christ, on est d'accord? Donc, tant que la parole de Christ sera, tant que ce message, ce mystère, le mystère de Dieu subsistera, ce cycle de semaine et de moisson subsistera. Amen. T'as rien compris? Amen. C'est ça, va? Amen. Ça passe. Ça passe, bon. Maintenant, de quoi parle-t-on? Semaine, moisson. Si quelqu'un pense à la légère, il va commencer à parler d'argent. Là. Il faut donner. Il faut donner à l'église. Mais ce n'est pas de ça dont il s'agit là. Ce n'est pas de ça dont il s'agit. Jésus dit, vous y êtes-vous sans intelligence? Ne savez-vous pas que le Fils de l'homme devait souffrir avant d'entrer dans sa gloire? Il devait souffrir avant d'entrer dans sa gloire. Le Fils de l'homme, avant d'entrer dans sa gloire, il doit d'abord souffrir. Christ, avant d'entrer dans sa gloire, il doit d'abord souffrir. Quand il meurt en terre, on est d'accord? Or, il dit quoi? Parlant de sa mort, il dit, c'est comme le grain de blé qui tombait à terre. S'il ne meurt, il ne peut produire. Or, le quand on parle de grain de blé qui tombe à terre, on parle de quoi? On parle de semaille. Il est question de semaille. Or, la résurrection, il est question de la moisson. Amen. Alléluia. 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 Tant que la foi subsiste, tant que la foi est établie quelque part, ce sont les principes qui seront toujours en cours. Quoi? Christ doit mourir pour revenir à la vie. Christ doit souffrir pour entrer dans sa gloire. La Bible dit, vous aussi ayez le regard fixé sur Jésus, dans le livre de Hébreux 12, qui en échange de la joie qui lui était réservée, a souffert à quoi? Il n'y a pas de gloire sans souffrance. Il n'y a pas de moisson sans semence. Est-ce que je parle à quelqu'un ici? Il n'y a pas de jour sans nuit. Tu ne peux pas entrer dans le pays de la promesse sans passer par le désert. D'où Yeshua lui-même, avant de commencer son ministère, va d'abord au désert. Pourquoi il va au désert? Il fait 40 jours. 40 jours, c'est le symbole des enfants d'Israël, 40 ans au désert à cause de la malédiction. Il doit aller là-bas. Pourquoi? Pour être tenté par le diable. Mais le mot tenté là en hébreu, c'est Nasa. Nasa qui signifie aussi élevé. La Bible dit de même que Moïse a élevé le serpent dans le désert, de la même manière le Fils de l'homme doit être élevé dans le désert. Donc être tenté, être éprouvé, être testé. C'est pour ça qu'il va au désert. C'est pour ça que vous voyez dans l'écriture que Yeshua va au désert. C'est pour accomplir l'écriture où Moïse élève le serpent. Or le serpent en hébreu, c'est Nakash. Et Nakash a pour valeur 358 Mashiach. Amen. Du Mashiach, celui que l'on regarde pour avoir la vie. Quand je le regarde, j'ai la vie. Je passe de la mort à la vie. Je sors du désert et j'entre en terre promise. Je sors de la vie selon la lettre et j'entre dans la révélation. J'entre dans la vie divine. Oh, je parle à qui ici?
ne vois pas ce que ce texte accomplit dans l'ancien, tu es encore voilé. La Bible dit, Isaac sema dans la famine. Et on dit la même année, il récolta le centuple. Et puis on dit lequel. Votre Bible dit car l'Éternel le bénit. C'est une erreur. Chez les Juifs, dans la Bible en original, on ne dit pas car, on dit que l'Éternel le bénit. D'où je parlais avec un juif qui me dit, mais ici c'est bizarre. Et pourtant on a l'impression qu'il est béni en ayant le centuple. Quand un homme sème, en le disant naturellement, quand un homme sème, il a la moisson, on va dire qu'il a été béni. Mais là, la bénédiction vient après. Donc l'Éternel le bénit après. Mais et alors là, c'est quoi? Il sema et moissonna le centuple. De quoi est-il question là? La nouvelle gloire, vous êtes là? Oh. Écoutez, tu lis, quand on dit semer, comment semer c'est quoi en fait? Même comment ils expliquent, ça dit que semer, c'est quand tu fais des actions conformes à la Torah, quand tu fais des actions conformes à la loi, quand tu veux faire des choses, des bonnes choses, conformément à la parole, conformément à la loi de Moïse, conformément, voilà, quand. C'est ça semer. Semer, Yeshua va dire, eh non, semer la parole. Il semait la parole. La parole là, c'est quoi? Le grain là, c'est la parole. C'est quand on sème, c'est quand on enseigne, quand on fait les œuvres de Dieu. On va dans des endroits, on sème, dans des terres arides, là où les gens n'écoutent pas, là où les gens sont complètement coupés de la parole. Puisque c'est ce qu'on dit, c'est au temps de la famine qu'il a semé. Donc les terres étaient arides, les gens n'écoutent pas la parole, les gens ne veulent pas de ça, etc. Donc lui dit, lui va semer la parole, lui veut semer la parole, il fait l'effort, il travaille, il veut parmi les gens, il veut vivre comme quelqu'un qui est à part, il vit comme un homme de la parole, un homme de la parole. Mais pourquoi il fait tout ça? Parce qu'il sait qu'il y a le cycle des semailles et de la moisson. Il sait que si je sème, si je pratique la parole, si je marche d'après la parole, il fait les choses d'après la parole, peu importe ce que les gens peuvent me dire, je peux souffrir au milieu des gens, je peux souffrir avec parmi les. Au milieu du peuple, il ne comprend pas. Comment lui vient pas, c'est pas grave. Tu le fais dans un but. Tu poursuis une moisson. Il y a une moisson qui est dedans. Et il dit qu'il moissonna le centuple. Mais c'est quoi ce centuple? Pourquoi tout le monde se tue? Le centuple, c'est simplement la moisson totale, la moisson maximum. Or, quand on sème, on moissonne. On moissonne quoi? La moisson parle seulement de ceci. Si je vous fais les calculs, tout ça, quand je le fais dans mon école là-bas, ça peut être compliqué. Mais comprenez seulement ceci, que le temps de la moisson est ce que vous appelez la fin des temps. Jésus dit dans Matthieu 13, la moisson c'est la fin des temps, c'est la fin du monde. Oh, mais ça nous parle toujours de quoi? Ça nous parle des temps messianiques. Ça nous parle du temps où Christ apparaît. Maintenant, pourquoi on ne tombe pas tant, mais ça repose plus tard, après là-bas. Non, on dit tant que la foi subsiste, quand tu persévères, quand tu appliques cette parole dans son cœur au quotidien, parce que tu poursuis une chose, la Bible dit, car vous êtes mort et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. Et quand Christ, votre vie paraîtra, oh, Christ, votre vie paraîtra, comme une moisson là, paraîtra au-dedans de toi, en disant Christ en vous, l'espérance de la gloire. Ce n'est pas une histoire d'après. Le temps messianique arrive quand toi, tu moissonnes Christ en toi. On peut prêcher la parole, on peut dire les choses, on peut enseigner, on peut lire la Bible, mais tu ne comprends pas que le but, c'est Christ en toi. Le but, c'est l'image de Dieu en toi. Le but, c'est le Fils en toi. Que le Fils apparaisse en toi. Que le Fils se révèle. Aller au-delà de la lettre. Pourquoi? Il y a un but. Quand on lit la lettre et qu'on la comprend selon la lettre, Christ meurt. La lettre, qu'elle tombe dans ton cœur, il faut qu'elle meure. Maintenant, il y a les souffrances de l'enfantement, les douleurs de l'enfantement. Christ doit apparaître. Alors ne plains pas,
ne pleure pas quand les choses ne vont pas comme tu aimerais, comme les choses ne vont pas comme le monde voudrait que ça aille. Ne pleure pas pour ça. Poursuis un but, Christ en toi. Poursuis un but que le centuple gère en toi. Cette parole que tu entends, ce livre de la loi, a un but de révéler Christ en toi, a un but de déchirer le voile de ta chair, pour faire sortir. Qu'il était de telle tribu, qu'il était ceci, qu'il était cela, il dit, tout ça c'est la chair. Il dit, ce n'est plus moi qui vis. Oh, c'est Christ. C'est Christ qui vit en moi. Maintenant, ce verset-là, tout le monde ne peut pas le prendre. Parce que notre verset dit, quand Christ, votre vie paraîtra. Donc, il y a des gens en qui Christ n'est pas encore apparu. Il y a des gens en qui Christ n'est pas encore paru. Donc on lit la Bible dans le désordre. Tu vois les gens. Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ. Tu as dit quoi? Tu as dit quoi? Mais Christ vit en toi. Tu sais même pas de quoi tu parles. Tu sais même pas de quoi tu parles. Dis que Christ vit en toi. Tu sais pas de quoi tu parles. Le but de la parole, le but de l'enseignement. La Bible dit que toute l'écriture est inspirée. L'esprit. Si je la lis selon la lettre, je passe à côté. Mais je dois comprendre ce que l'écriture me dit. L'écriture est inspirée. L'écriture est une révélation. L'écriture a des codes. Si je ne les comprends pas, je passe mon temps. Nous devons les gens, on est des religieux. Au lieu d'être des chrétiens. La race de Christ. Si vous avez compris que l'expression remplie de l'esprit de sagesse, c'est la même chose que Machia, alors vous allez comprendre le mystère de la Pentecôte, quand ils furent tous remplis du Saint-Esprit. Tous étaient remplis de l'esprit de sagesse. Tous étaient devenus Christ. Il y avait des sceaux sur le livre. Et quand on a ouvert les sceaux, et puis on voit un cheval blanc apparaître. Et celui qui était dessus, il devait partir pour triompher. On lui dit, viens. Donc le sceau. Dans Cantique des Cantiques, on dit, place-moi sur ton cœur comme un sceau. Le sceau, c'est un homme. C'est le voile de la chair. Il faut ouvrir le sceau. Il faut déchirer le voile de la chair. De ton identité actuelle, de ce que les gens pensent que tu es. Il faut déchirer ça pour faire sortir quelqu'un qui est dedans. Il y a quelqu'un qui est caché dedans, à qui on dit viens. Le monde t'attend, la création tout entière soupire et elle attend le dévoilement. C'est une malade. C'est une ceci ou cela. Lui dit, la parole, quand elle est ensemencée en nous, elle est ensemencée en nous, tu peux être infime. Quand on sème la parole en toi, on peut semer la parole en toi, tu es malade. On peut semer la parole en toi, tu es moulant. On peut semer la parole en toi dans des conditions pas possibles. Mais on dit, quand la parole ressuscite, ce n'est pas toi qui sais, la parole en toi qui revient à la vie. Puisque tu as ton corps, ton être est comme une terre dans laquelle on a semé la parole. Et quand cette parole revient à la vie, elle revient à la vie pleine de gloire. Elle revient à la vie pleine de beauté. Mais regarde la vie pleine de force, regarde la vie pleine de puissance, et que rien quelqu'un d'autre pas après. Elle est là. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Lions au temps de la moisson. Oh.
C'est le temps où Christ est formé et Christ apparaît. Et au temps de la moisson, d'après les rabbins, on nous explique au temps de la moisson, la loi est allégée. On ne vit plus d'après Moïse, mais on vit d'après la parole de sa bouche. Yeshua dira, enseignez-leur ce que je vous ai prescrit. Yeshua aussi a ses prescriptions. Comme Moïse avait ses prescriptions. Mais Yeshua a ses prescriptions. Il a sa loi, il a sa parole. Le Fils a ses prescriptions. Tu dois marcher d'après ce que le Fils dira. Tu dois vivre d'après l'enseignement du Fils, d'après la parole du Fils. C'est ça dans le temps messianique. Comment on vit? Tu ne vis plus d'après Moïse, mais tu vis d'après Yeshua. Et Yeshua donne le pouvoir de marcher, l'autorisation de marcher sur les serpents et les scorpions. Les serpents et les scorpions, ce sont les habitants du désert. Ce sont les compagnons de Moïse. Ce sont les condamnations de la loi. Ce sont les accusations de la loi. Mais tu vas marcher sur un nouveau chemin. Le chemin de paix, le chemin de grâce, le chemin de gloire, le chemin de délivrance, le chemin de la vie. Déjà, mais dans l'église, c'est pour qu'on allait les autres. Tu es encore au désert. Il faut rester là avec Moïse. Il faut rester là avec Moïse. Nous, on est dans les choux. C'est en Christ. Nous sommes avec le Fils de Dieu. Paul dit, je le vis, ce n'est plus moi qui vis, mais si je vis, je vis dans la foi du Fils de Dieu. Amen. Dans cette confiance que je ne suis pas là, je suis Fils de Dieu. Tout Paul aussi expliquait, parlait aux gens. La création veut voir le Fils de Dieu. Voilà pourquoi il dit, voilà pourquoi je dis que les souffrances du temps présent n'ont rien à voir par rapport à la gloire qui doit apparaître. Amen. Il y a une souffrance quand tu étudies la parole. Il y a une souffrance quand tu poursuis Christ en toi. Quand tu veux que Christ apparaisse en toi. Quand tu veux que la gloire divine explose en toi. Quand tu veux que la présence de Dieu apparaisse en toi. Et quand on dit non, c'est pas ça, c'est plus un homme. C'est plus un homme. Paul et Barnabas sont allés dans une ville, à Icône ou je ne sais pas quoi, chez les Grecs. Ils arrivent dans la ville, les gens ont dit non. Les dieux sous une forme humaine sont venus parmi nous. Ils ont appelé Barnabas Jupiter, le Dieu suprême. Ils ont appelé Paul Hermès, messager de Dieu. On dit non, 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 non. Les dieux sous forme humaine sont venus parmi nous. Non, le projet de Dieu est que tu sois un fils de Dieu, une fille de Dieu, une image de Dieu. Quand tu te tiens sur la terre, tu révèles Dieu. Tu n'es pas un homme normal. Tu es un Ish Elohim. Tu es un homme Dieu, une femme de Dieu. Oh, je parle à qui? Accomplir les œuvres de Dieu. Amen. Comment peux-tu faire les œuvres de Dieu si tu es Dieu? Amen. Si tu es de nature divine. Or, ceux à qui la parole est adressée sont appelés Dieu. Amen. Sont appelés Elohim. Ceux à qui on adresse la parole. Quand on t'adresse la parole, quand le Seigneur t'adresse la parole, ce n'est pas pour que tu restes ce que tu es. En fait, il te propose une nouvelle identité. Il te propose une nouvelle nature. Il te propose une nouvelle vie. Que tu ne vives plus cette vie d'échec que tu as connue jusqu'à présent. Cette vie de galère que tu as connue jusqu'à présent. Cette vie où tu te demandes de quoi sera fait demain. Non, on te propose une nouvelle identité. On te propose les nouveaux papiers. Tes papiers ne sont pas ceux que la préfecture va te donner, mais il y a des papiers plus excellents. Il y a des papiers que la parole te donne. La parole va faire de toi un Elohim. Va faire de toi participant de la nature divine. Participant de Dieu lui-même. Être fils de Dieu sur terre. Image de Dieu sur terre. Dieu sur la terre. Dieu vivant dans la chair. Regardez l'été. Vous avez vu la chaleur qu'il y a? Pendant qu'il y a la chaleur, plus personne ne portait des manteaux, des ceci, etc. Il fait très chaud. Quand le soleil se lève, c'est une machine. On dit pour vous se lèvera le soleil de justice. Premier point, l'été a la même valeur numérique que machine. L'été, c'est le temps du Messie. Or, au temps du Messie, on enlève les habits. On enlève tous les habits qui sont mis. Bartimée a enlevé le manteau. Quand le Messie arrive à Jérusalem, ils enlèvent les habits et on marche dessus. Mais les habits, c'est quoi? Les habits, ça parle des vêtements de la loi. Puisqu'on dit, vous aurez des vêtements que vous porterez. Et il y aura des francs, il y aura des titites dessus. Pour vous rappeler les lois, les commandements. Vous avez été là pour les commandements. Les habits, c'est l'expression de la loi et de ses prescriptions. Voilà pourquoi au début, ils étaient nus sans habits. C'est-à-dire qu'ils n'avaient pas la loi avec les prescriptions qui devaient les tenir captifs. Je parle à qui ici? On enlève, c'est-à-dire la loi qui
Bible dit par la foi. Mais on vit par la foi. On vit par la foi en Christ. On vit par la foi en Christ. J'ai foi en Christ. C'est là que les choses vont aller pour moi. Alléluia. Regardez ce qui se passe. Je vais finir là bientôt. On dit, je vais le dire quoi? Dans l'Ancien Testament, pour que tu aies la vie, tu dois pratiquer la loi. Si tu ne pratiques pas la loi, c'est la mort. Nous on dit que tous ont péché et sont privés de la gloire. Le salaire du péché, c'est la mort. Et le péché, c'est la transgression de la loi. Mais si on enlève la loi, est-ce qu'il y a encore péché? Non. Il y a des gens qui vivent comme si c'est Moïse qui le suivait. On ne vit plus sous Moïse, on vit sous un nouveau régime. Le nouveau régime, c'est en Christ. Et en Christ, on ne te demande pas la pratique de la loi pour avoir la vie. Non, on te demande de croire dans le Fils pour avoir la vie. Amen. Simplement croire en lui. Croire en lui. Et tout ça, on te demande. Pour avoir la vie. Maintenant, vous, quand on dit, voilà, j'ai cru en Jésus, j'ai la vie. C'est quoi la vie? C'est quoi la mort? Vous voyez là, on est là. J'ai la vie, alléluia, amen. J'entends pour le Seigneur. Complètement triste. Pourquoi? Parce qu'on n'est pas sûr d'avoir la vie. Amen. Ou bien la vie dans notre tête, c'est quelque chose d'après. Plus tard, j'ai la vie pour le ciel. Tu vois, j'irai au ciel. Hein? On est en galère. On souffre. Mauvaise compréhension de la parole. Yeshua dira, il n'y a personne qui ayant tout quitté pour moi. Et de la parole du royaume, le reçoit. Dans ce siècle-ci, le sanctuaire. Dans le siècle à venir, la vie éternelle. Maintenant, quand tu lis ça, si tu ne comprends pas déjà la pensée de l'écriture, tu vas dire non, c'est pendant qu'on vit sur la terre et puis après qu'on va mourir. Non. Parce que la logique juive, la vie éternelle, le olam à bas, c'est quoi? C'est le temps messianique. Le temps de la moisson. Le temps qui vient. Il y a un temps qui vient. Vous comprenez? Il y a un temps qui vient. Quand tu ouvres l'écriture, quand tu ôtes le voile, il y a quelque chose qui doit venir. Quelque chose vient. Celui qui vient est caché en toi, doit apparaître au milieu de toi. Et quand il vient, il va être à son apparition. C'est une nouvelle époque qui s'ouvre. C'est un nouveau temps qui s'ouvre. Et d'un autre côté, dans ce temps-ci, Olam Hazeh, le monde que l'on voit, c'est après la loi. Autant de semailles, autant où tu souffres. À cause de tes souffrances, tu vas récolter le sanctuaire. Ce sanctuaire-là, c'est Christ en toi. Ce sanctuaire-là, c'est-à-dire qu'on te rend tout ce que tu as perdu. On restaure, là il y avait des blessures, on enlève les blessures. Là, on ne pense même plus qu'il y avait des blessures ici. C'est ça le sanctuaire. Maintenant, le sanctuaire, c'est Christ d'abord en toi qui apparaît. Christ en toi. C'est ça le sanctuaire. C'est la moisson de la semaine, la moisson de la parole mise en toi. Christ en toi qui apparaît. Amen. Quiconque sème pour Christ. Quiconque abandonne, quiconque jette, quiconque laisse le monde, quiconque quitte ce qu'il avait, quiconque donne pour Dieu, quiconque donne pour Christ, quiconque sert, quiconque fait tout ce qu'il veut, Jésus assume. Il dit, tu auras le sanctuaire. Christ en toi va apparaître. La vie de Dieu en toi, la vie de la parole, ce que la parole annonce, la vie de la moisson va apparaître en toi. Mais ce n'est pas fini, c'est le début. Ben, tu dois avoir ça pour vivre l'autre. L'autre, c'est la vie éternelle. La vie pour toujours. Il n'y a plus de mort qui vient de glorifier. Ça dit que Christ est ressuscité de l'homme. Amen. Il vit pour toujours. C'est de quoi dont il s'agit. Il faut déjà comprendre la mort. Mort, c'est les malédictions. Vie, c'est les bénédictions. Et Moïse te montre dans Deutéronome 28. Tu as la liste des bénédictions. Tu as la liste des malédictions. Quand la mort t'a frappé, quand tu es dans la mort, quand tu es dans le désert, voilà ce que tu as. Regarde la liste là. Tu peux te retrouver dans les malédictions là, quelque part. Il y a des trucs qui vont apparaître. Voilà. C'est plein, hein? C'est plein. Là-bas même, on dit qu'il y a des maladies qui ne sont même pas écrites, qu'on va inventer juste pour toi. C'est une nouvelle maladie qu'on a inventée de toutes pièces pour toi, à ta juste mesure.
pour ne pas dire à ton juste prix. Alléluia. Et tu as la vie de l'autre côté. C'est toutes les bénédictions que tu as. Quand tu crois dans le Fils, quand tu reconnais le Fils et que tu crois en lui, tu passes de la mort à la vie. On ne te demande plus de pratiquer, je ne sais pas quoi. On te demande seulement de croire en lui. Quand tu crois dans le Fils, quand tu reconnais le Fils, tu passes de la mort. Quelqu'un m'a-t-il compris? Amen. Quelqu'un m'a-t-il compris? Amen. Amen. Maintenant, saisissez bien ceci. Le Fils. La Bible dit que tout ce qui a été écrit afin qu'on puisse y croire que Yeshua est le Fils de Dieu, le Christ, et qu'en croyant, peut créer la vie en son nom. Quand le Fils apparaît, c'est pour détruire les œuvres du diable. Quand le Fils paraît, c'est pour détruire les condamnations qui sont sur ta vie. Quand le Fils paraît, c'est pour changer ton histoire. Quand le Fils paraît. Maintenant, la Bible dit que la création tout entière soupire. Elle veut voir les fils de Dieu. Au pluriel, les fils de Dieu. Vous devez chercher autour de vous où est Christ. Quand vous regardez la servante de Dieu, cherchez Christ en elle. Cherchez à trouver Christ en elle. Parce que c'est la foi en Christ en elle. C'est la foi dans le Christ qui apparaît en elle qui fait que vous passez de la mort à la vie. Parce que c'est Christ qui est Yeshua, qui est le sauveur du monde. Quelqu'un m'a-t-il compris? Amen. Quelqu'un m'a-t-il compris? Amen. On va se lever, on va prier. Ceux qui veulent en savoir plus, les prophètes. Alléluia. Lève tes mains dans la présence de Dieu. Je veux que là où tu puisses dire, Seigneur, je crois au Fils. Je crois que tu nous donnes la vie et la vie est dans le Fils. Je crois que hors du Fils, il n'y a pas de vie. Je crois que ta volonté pour moi, c'est la vie. Tu nous donnes le Fils pour qu'on ait la vie, pour qu'on jouisse de la vie en abondance. Tu fais paraître le Fils, c'est pour détruire les œuvres du diable. Paul pouvait dire, jusqu'à ce qu'il plût à Dieu de révéler son Fils en moi. Prie que la révélation du Fils te soit donnée. Divine, la grâce de Dieu se répande dans cette assemblée. Se répande parmi ceux qui ont écouté cette parole. Que la révélation du Fils leur soit accordée afin qu'ils vivent. Qu'ils passent réellement de la mort à la vie. Qu'ils aient cette expérience, qu'ils aient cette révélation. Éclaire les ténèbres de ton peuple. Fais briller la lumière. Fais briller la lumière. Tu as envoyé ta parole et ta parole guérit ton peuple. Tu guéris ton peuple de l'idolâtrie. Et tu donnes à ton peuple de saisir ta parole, de saisir la vie éternelle pour laquelle ils ont été appelés. Que ton nom soit béni. Toi qui vis à jamais, que ton nom soit béni. Toi le Seigneur vivant, toi le Christ vivant, que ton nom soit béni. Elion Yeshua, béni sois-tu, toi le juge des vivants et des morts. Établis ton œuvre ici. Que ton souffle visite ton peuple. Car là où est ton esprit, là où est ton souffle, là est la liberté. Donne la vie à ton peuple. Il y en a qui sont ici, qui pleurent depuis longtemps. Il y en a qui sont ici, qui souffrent depuis longtemps. Il y en a qui sont ici, qui travaillent dans le champ des semailles. Alors que toi, tu dis, je vous ai envoyé pour moissonner. Je suis venu ici pour qu'il y ait une moisson. Je suis venu ici pour établir une nouvelle époque, l'époque messianique. Je suis venu ici pour que ton peuple expérimente autre chose. Voilà pourquoi je suis venu ici. Engrange dans ton grenier. Et que la vie soit le partage de ta vie. Viens séparer dans ton nom, Yeshua. Amen.